التلاميذ: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمم تصحيح الاختبار الموحد التجريبي بهذه التمارين. التمرين 6 لقد صححنا تمارين 1، 2، 3، 4، و5، يبقى التمرين 6. ربما إذا كان الوقت يسمح سأضيف تمرين آخر حول المعادلات والمتراجحات. ألور، عندنا دائرة سي، عندنا النقط A B C و D و O المركز، وعندنا الزاوية A C B قياسها 60 درجة. ألور، مونتري كو A O C est un triangle équilatéral. Équilatéral هو متساوي الأضلاع. دونك هنا عندنا O A تساوي O B O C O A تساوي O C. إذن المثلث donc le triangle est isocèle de sommet O. Et puisque l'angle à la base C mesure 60, l'angle à la base A aussi mesure 60. Et le troisième angle mesure 60. Donc, c'est un triangle équilatéral. Voilà. Alors, donc, première question. Montrons que le triangle AOC est équilatéral. Bon, on a OA égale OC. Donc, OAOC est un triangle isocèle. Pourquoi OA égale OC? Parce que ce sont des rayons d'un même cercle. أشعاع لنفس الدائرة ولا شعاعين لنفس الدائرة سي. فوالا دونك AOC est un triangle isocèle de sommet O. D'où OAC est égal à ACO est égal à 60. On déduit que AOC mesure 60. 180 moins 120, c'est 60. Donc AOC est un triangle équilatéral parce qu'il a trois angles isométriques. Triangle équilatéral. Voilà. Donc voilà pour la première question. Deuxième question. Calculer ABC. Alors, comment on fait pour calculer ABC? Alors, nous avons ABC. Quelle est la nature de ce triangle? ABC, c'est un triangle rectangle en A. Pourquoi? Alors, deuxième question. Calculons ABC. ABC. On a BAC est un angle inscrit qui intercepte le demi-cercle
quel demi-cercle BC qui contient D? BC qui contient D. Il faut bien préciser qui contient le point D. C'est-à-dire ce demi-cercle, parce qu'il y a deux demi-cercles, BC et là BC aussi. Donc, alors, calculons BAC est un angle inscrit. Donc, BAC égale 90. D'où ABC est un triangle rectangle. Rectangle en A. Alors, et puisque ACB mesure 60, et puisque ACB égale 60, alors ABC mesure 90 moins 60. ABC mesure 30 degrés. 90 moins 60, c'est 30. Donc, on a trouvé ABC. Maintenant, AOB. AOB. Alors, AOB, c'est un angle au centre. Il est lié à l'angle ACB. À l'angle inscrit ACB. Donc, AOB mesure le double de 60, c'est-à-dire 120. Ou bien, on utilise les deux angles supplémentaires. AOB et AOC sont supplémentaires. Alors, AOC, et ils sont adjacents supplémentaires. Donc, il y a deux méthodes pour calculer AOB. Alors, calcul de AOB. Calcul de AOB. Soit on utilise l'angle au centre lié à l'angle inscrit, soit on utilise ces deux angles-là, cet angle et cet angle, sont supplémentaires, adjacents supplémentaires. Leur somme est égale à 180. Et là, nous avons 60. Là, 60. Donc ici, 60, 180 moins 60, c'est 120. On va utiliser l'angle inscrit, puisque AOB est un angle au centre. Lié à l'angle inscrit. À l'angle inscrit ACB qui est égal à 60 degrés. Donc, ou bien alors, puisqu'on dit alors, AOB égale deux fois, parce que l'angle au centre est égal à deux fois l'angle inscrit de ACB, c'est-à-dire AOB égale deux fois 60. Est égal à 120 degrés. Voilà, on a trouvé la mesure de OAB. Maintenant, calculer ADB. ADB. Alors, ADB, soit on utilise deux angles inscrits qui interceptent le même arc, ou bien on utilise l'angle inscrit lié à un angle au centre qu'on connaît. Ici, il y a 120. Donc, ici, c'est la moitié de 120 est égal à 60. Ou bien, on a ACB et ADB sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc AB. Donc, la mesure de ADB est égale à la mesure de ACB. Voilà, on va utiliser ça. On a ADB et ACB sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc
le même arc. Quel arc AB? Alors, ADB est égal à ACB est égal à 60. Voilà. Donc, on a répondu à toutes les questions. Alors, pour le temps, j'ai 10 minutes. Donc, je peux ajouter 3 minutes pour deux équations à résoudre. Ça, c'est supplémentaire. Alors, on va demander exercice 7. Résoudre. Premièrement, x au carré moins 3 plus x plus racine de 3 facteur de x de 2x moins 5 égale 0. Alors, comment on va faire pour résoudre cette équation? On a ici x au carré moins 3. On peut la transformer sous forme d'une identité. On fait x carré moins racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré, c'est 3. Plus x plus 3, racine de 3, facteur de 2x moins 5, égale 0. Alors, je factorise, c'est a carré moins b carré, c'est x moins racine de 3, facteur de x plus racine de 3. Plus x plus racine de 3, facteur de 2x moins 5, égale 0. Je factorise par x plus 3, x plus racine de 3, facteur de x moins racine de 3 plus 2x moins 5, égale x égale 0. X plus racine de 3, facteur de x plus 2x, c'est 3x moins racine de 3, moins 5, égale 0. Donc, x plus racine de 3 égale 0, ou 3x moins racine de 3, moins 5, égale 0. Alors là, x égale moins racine de 3. Là, on fait 3x égale racine de 3 plus 5, d'où x égale racine de 3 plus 5 sur 3. Donc, les moins racine de 3 et racine de 3, moins racine de 3 et racine de 3 plus 5 sur 3 sont les solutions de cette équation. Alors, on est à 13 minutes. Maintenant, je peux ajouter un autre exercice sur les inéquations. Résoudre. Deuxièmement. Alors, 3x moins 1 inférieur à 5x plus 7. Alors, on résout cette équation. On va grouper les x dans le premier membre. Ça devient 3x moins 5x est inférieur à 7 plus 1. 3x moins 5x, c'est moins 2x, est inférieur à 8. Bon, pour se débarrasser de moins 2, je dois diviser par un même nombre, mais il est négatif. Moins 2x sur moins 2. Alors là, je dois changer le symbole parce que j'ai divisé par un même nombre négatif. 8 sur moins 2. Dites-moi, moins 2 moins moins 2. Donc, on a x est supérieur à moins 8, c'est 4. Donc, j'écris tous les nombres strictement supérieurs à moins 4 sont des solutions de cette inéquation. Voilà. Maintenant, si je veux présenter les solutions sur une droite graduée,
On peut le faire. On a trouvé x supérieur strictement à moins 4. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trace une droite graduée comme ça. Alors, on a ici, donc, x supérieur, on a dit à moins 4. Donc là, O, I, 0, 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Là, je présente moins 4. Alors, par une autre couleur, je ne sais pas où j'ai mis mon stylo rouge. Ah, le voici. Alors, les éléments qui sont supérieurs à moins 4 sont tous ces points-là qui ont les abscisses supérieures à moins 4. Donc voilà, et puisque c'est strictement, je mets un crochet, mais qui s'oriente vers la gauche de la droite, des solutions. Voilà les solutions, le crochet, je le mets à l'inverse de cette demi-droite. Donc voilà l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'ensemble des nombres qui sont supérieurs à moins 4. S'il y avait ou égal, par exemple, on met le crochet qui regarde les solutions, qui est orienté vers les solutions. Puisque c'est strictement, je le mets à l'inverse. Donc, c'est strict. Voilà. Donc, voilà pour cette séance. À bientôt, Inch'Allah, dans une autre vidéo. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner si vous êtes nouveau en appuyant sur la cloche.